Suite de nos aventures dans Hard West 2, on continue le chapitre 3. Après avoir récupéré notre ami Delire, on va pouvoir lui demander de préparer nos balles. Alors, avant, on va aller voir le chirurgien se faire recoudre. Voilà, notre équipe est comme neuve. Côté magasin. Alors, malheureusement, on n'engrange plus beaucoup d'argent. Ça, à mon avis, ça va nous permettre de pouvoir préparer les balles. Qu'est-ce qui se passe si je vends tout mon matos? Est-ce que j'ai suffisamment pour me payer? T'as le reste se vend pas énorme, hein. Ah, si on peut le faire. Alors, avant, on va aller voir le chirurgien histoire de soigner toute notre petite équipe. Ah, pas besoin d'être soigné. Le magasin. Alors j'aimerais bien m'acheter le... C'est celui-là, le Kramer. 3 PV chaque tour, mais c'est surtout les dégâts. Il fait un dégât de plus que le fusil classique. Alors je sais plus lequel j'ai. C'est Flynn. D'ailleurs Flynn c'est la seule a des points bonus en fait de fusil à pompe. Les deux autres protagonistes qui peuvent l'avoir, je joue moins avec eux. Alors on va vendre. Whisky au bénit. Alors on a ce qu'il faut, on dirait. On a ce qu'il faut. Alors on va s'équiper, on va voir. Donc Flynn, le voilà. Donc l'hémorragie, ça fait perdre 2 PV à chaque action. Là, c'est à chaque tour, c'est un petit peu différent. C'est peut-être un petit peu moins bien, parce que c'est vrai que les actions, vous pouvez avoir des ennemis qui bougent une fois, qui font une action, qui rebougent, qui se mettent à couvert. C'est dommage que ce soit à chaque tour. Par contre, le 1 dégât en plus, c'est... S'il y a du monde en face, ça fera très très mal. Voilà. Alors, Solomon. Récupérer les balles. Cette fois, Solomon a pu travailler en paix. Ça lui a pris la nuit, mais alors qu'on buvait un deuxième café, il est sorti de son atelier en portant une boîte en métal contenant une dizaine de balles pour flinguer les démons. J'ai vu Bill les regarder d'un air soupçonneux. Tandis que Flynn en saisissait une pour l'étudier de près. Such small things. And yet these will be the key to set us all free. Alors, utilisez-les lors de votre ultime combat contre maman. Il mourra comme un mortel. Allez trouver votre garde de l'enfer et bonne chance. Avant que j'ai pu cacher la boîte, Bill a empoché 6 balles, puis s'est versé un verre. Interrogez Bill au sujet de la balle. C'était quoi ça, Bill? You don't get it. If these bullets are able to kill Mammon, I think they'll be able to kill me. Tu rigoles? Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Pas question que tu meurs après tout ce qu'on a traversé. Alors, je t'aiderai. Pas question, Flynn. Thanks for standing up for me back there.
Sometimes, I think memories are the only thing holding me together. Donc ça peut attendre qu'on ait réglé le cadavre. On pense bien mériter. Dégâts plus 1. Ah ouais. Alors dégâts de l'arme, alors c'est pareil, à mon avis on va pas découvrir à notre insu un malus. Si elle avait ouais, lui va faire très mal avec son fusil parce qu'il a 1 de dégâts de fusil plus ce truc là. Après par contre c'est des balles de revolver, donc à mon avis c'est le revolver qui fera plus de dégâts et pas le fusil. Et ça, comme souvent, on l'apprendra en jouant. C'est le Kinder Surprise. Alors, est-ce que notre ami... Alors, faire à faire, est-ce que... Des choses, non, autour... Est-ce que... Ouais, Flynn. C'est pour ça que j'ai fait Flynn. Avec plaisir. Qu'avez-vous là? Oui, on n'a pas rien dit, quelque chose. Une autre aura occulte. Une aura occulte, on dirait que vous avez des pouvoirs, mademoiselle, des pouvoirs que vous tenez de l'un de vos parents qui a fait un pacte avec un démon. C'est tout ce que je perçois. La première règle de dealing with devils should be never make a deal with a devil. But what do I know? It's good to be out of that freaky winter. Barrage d'esprit. Alors, Flynn nous a guidés dans le désert. Il est Messas. Elle était sûre que c'était le bon chemin, mais aucun de nous ne s'attendait à tomber sur une barrière surnaturelle. Bon, on était déjà venu lors de notre tour découverte. On s'approche. Laissez Cladish ouvrir la voie. Oh, je les sens, ils sont en colère et perdus. Maman les a laissés ici pour protéger son point stratégique, la gare de l'enfer, comme vous l'appelez. Je vais tenter de communiquer avec eux. Kent. The voices. Can't hold them back. No. Alors, est-ce qu'on peut t'aider? Merci Flynn, mais non, je dois faire ça toute seule. J'ai deux options, je peux tous les accueillir et les ajouter aux voix des mille morts, ou je pourrais tous les laisser partir, mes esprits. Et cela, tout disperser, les laisser tous s'en aller. Je ne pense pas avoir rejoint votre bande par hasard, Jean. Je pense que ma rivière m'y a mené pour une raison. Que devrais-je faire? Tous les libérer? On va les accueillir. Si quelqu'un peut contrôler cette quantité de puissance, c'est bien toi. Accueille-les, accepte ton destin, ne résiste pas au courant. Accueille-les tous en toi. Acquiesce, ferme les yeux. Elle les a réouverts, ils étaient blancs. Une brume bleuâtre l'entourait tandis qu'elle s'élevait légèrement au-dessus du sol. On a été aveuglé par la lumière et rendu sourd par les gémissements des esprits. Quand ça s'est arrêté, que la liche était effondrée sur le sol, je l'ai aidé à se relever. Est-ce que ça va? Laisse-moi du temps. Ça a marché, le passage est ouvert. Viens, montre-toi à maman, on ne se décourage pas aussi facilement.
Ultime voyage, vous êtes sur le point de terminer le jeu, assurez-vous que votre bande est prête avant de poursuivre. Ouais. Ouais, c'est parce que je me dis, est-ce que je vais pouvoir... parce que je suis un peu light en... Quoique... Ah, si j'aurais des bandages pour tous... Let's make haste. Est-ce que j'achèterai pas des dernières babioles Je me souviens plus si... I always watch for an ambush. C'était un lieu sacré, le sol, la roche et même l'air vibraient de puissance indiscernable. La tête me tournait, mais on devait continuer. Finally, a real challenge. On ne peut plus reculer, vous êtes toujours partant. On est tous là, finissons-en. Alors, personne n'est imposé, ça c'est bien. Normalement, ils ont tous leur canne-flush royal. L'inventaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Placer des charges explosives. Utiliser les capacités de la bande pour tuer les sorcières. Terminer la mission. Oh, c'est dégueulasse. Objectifs principaux, ils devraient pas imposer des... un temps. Tous les membres de la bande doivent survivre. Ça, c'est pas cool non plus. Monter à bord du train fantôme avant qu'il ne parte. Ah, le crameur. Ah bah si j'avais su, j'aurais peut-être pas... j'aurais peut-être pas vidé mon inventaire pour lui, mais c'est pas mal. Par contre, je vois pas de joker. Je vois pas comment... On a le joker, peut-être dans le niveau de difficulté. Okay, folks, this is it. The Hellgate Station. Looks like the damn train is about to leave. We'd better hurry up, Jin. Look, I think this is where Mammon's keeping the souls he reaped during his last rampage. I think you're right. Do we have time to do something about it? The less souls he has, the better. I say we blow this thing up before boarding. We'll see. Now that's enough talking. Clock's ticking. Yes. Tour restant 10. Eh ben. L'objectif principal il est là. On est à bord du train. Terminé. Je sais. C'est limite un truc qu'il faut rusher, mais le rush peut être mortel. Ouais, putain, 25 de vie. On se remet plutôt dans l'axe. Ready to roll. Looking for a better spot. Let's do this. Yeah.
Ready. One and only. Ça serait tellement bien si elle pouvait le toucher. C'est vrai que j'ai oublié que j'ai mon revenant. Faire que ce soit lui qui prenne que mes ouailles. This is not the way. J'y croyais pas trop. You look like you want a bullet in you. Ready to roll. Faut que je bute cette putain de sorcière parce que. Ça commence à être un peu limite. What's the play? Looking for trouble? C'est un peu court. C'était un peu court. Ça n'améliore pas les choses. On se rapprocher. Yeah.
I always figured even hell wouldn't have me. J'ai peur qu'en me rapprochant, il me balance des conneries sur la tronche. Buy into any of this demons in hell shit. But whatever they are, you know, they need killing. Let's see. Eh, c'est vrai qu'il fait 8 de dégâts maintenant, Pepper, avec son pistolet. Ça l'a pas tué. Elle peut pas aider, c'est frustrant. À 100%, ma paix va me défoncer. Yes. Casse-pied lui de s'être caché là. Yeah.
second. Yes. On my way. Bon, on l'a tué. Je voulais que mon Bill puisse s'approcher un peu. Il est un peu à la traîne. Leave it to me. What's the rush? Just because I like to avoid trouble doesn't mean I can't end it. I am present. Easy. With all these demons running around, we'd maybe get some help from God. Earth in my throat. Y'a du monde, hein. Y'a du monde. In my heart. Encore une fois, je trouve que la limite de temps est inappropriée. On n'est pas très loin. Celui qui va le plus vite, c'est lui, grâce à sa carte. On est obligé de descendre jusque là. J'espère qu'ils vont pas me tirer dessus. All right, all right. But I prefer to blow up real stuff more. Take your time. Yes. On my way. You people don't even have to go looking for trouble. It comes right to you. Let's get this over with. Mon ami Bilouche. Faut qu'il avance parce que lui c'est plus lent.
qui va prendre des balles. J'espère que mon leurre va faire aimant. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Je me vois pas en 4 tours éliminer tout ce monde. Même s'il y en a quelques-uns qui ont pas trop de vie, il y a quand même beaucoup de gens à 15-16. Ah, dommage parce que j'aurais bien aimé nettoyer toute la zone. Alors, elle a pris les dégâts. C'est dès qu'elle va rentrer, elle va bloquer la porte. Si je carpane de la vie. Bill. T'es capable de rentrer par là? Je pense qu'il pourra le faire. Elle. Ah bah non, il peut. Lui mon pauvre, tu vas. D'habitude j'y on laisse personne derrière, mais là. Ouais, dommage cette limite de temps. Donc on n'a pas chopé le tonique puissant ni de la dynamite bleue, par contre on a réussi à avoir le bocal d'âme, plus de chance, plus de PV, plus de vitesse, c'est pas mal hein, il tape un peu en tout. Et alors lui c'est dommage parce que je l'ai acheté. Finalement je l'ai quand même utilisé je crois. Mais j'aurais pu économiser les 500... Ah c'est pas très grave. Well, 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 who have we here? Kestrel, tiens, tiens, tiens. Despite everything. I came here to offer you help. This one time, let's take on Mammon together. Eh, si peut bien nous aider. I'll join you under one condition. After Mammon's done for, you leave his ghost train to me. You'll need me. I stayed on the ghost train long enough to know how Mammon operates it. Or at least basics of it. Wherever he takes us, I can take us back. Il a raison, on a besoin de lui, ça va être dur de te faire confiance après tout. Je t'en supplie, Clay, ne complique pas la situation. Tiens, prends ces balles. On a chargé nos armes avec les balles de délire. On en avait assez pour tenir pendant toute cette épreuve. Kestrel était mieux. Allons-y à propos du train fantôme. When you left me to die on that train, I saw things. Things you only see at the frontiers of your nightmares. I saw them bright and clear. I saw what Mammon sees. How we are to him, you know? And what I saw wasn't pretty. All the human wickedness. When you look at it from beyond your flesh, it is abhorrent. I was never really after you, Jin. Like most folks, you think you're the center of the world, but no, I have no interest in you. It's what you're hunting that I'm after, the ghost train. Alors ça veut dire que tu es de retour au Clive, je suis si soulagé maintenant, nous pouvons... No, Flynn, stop, just stop. Clive really is dead. I'm just a husk, a living shadow among shadows. There's nothing left of me to save.
Alors je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, je suis désolé pour tout, tu étais mon frère et j'ai tout gâché. Remember how they used to call me your sidekick, that I was nothing more than your shadow. Well, here I am, a shadow indeed. Allons-y, un dernier boulot et on sera libre. Et toi, Clive, c'est juste pour cette fois. Comme au bon vieux temps, on réglera nos affaires une fois qu'on aura éliminé. Ça marche. I was blinded by my rage. Let's leave the past behind us and face Mammon together. Par contre, j'ai l'impression qu'encore une fois, on va pas pouvoir se soigner entre les deux trucs. Alors ça, plus la contrainte du nombre de tours d'avant, c'est... Surtout là, normalement, je pense que ça va être le combat final. C'est vraiment, vraiment dommage. Eh ben écoutez, on verra ça lors du prochain épisode.